Ils vont être terrorisés parce que c'est des terroristes qui sont là-bas, des propos du général en sous-main Camara bafoué. Wanadara n'est pas au bout de ses peines. Depuis qu'un brigadier a été récemment tué, la police reste sur les dents dans ce quartier de la commune de Ratoma, réputé être un fief agité de l'opposition. Le directeur général de la police, le général en sous-main Camara bafoué, a évoqué l'opération de ratissage en cours dans la zone. À l'en croire, la police est bien décidée à nettoyer Wanadara. Contrairement au sentiment que ses habitants qu'ils sont terrorisés, Bafoué estime que ceux-ci devraient plutôt se réjouir de la présence de la police sur place. Il promet fermement qu'aucun quartier ne sera fait à ceux qui agissent à Wanadara comme des terroristes. Il devrait se dire que vu ce qui est arrivé aux policiers là, nous les citoyens de Wanadara on est en danger. Il devrait même féliciter la présence de la sécurité dans leur quartier en profondeur. Mais s'ils disent qu'ils sont terrorisés, stigmatisés, mais ils vont être terrorisés parce que c'est des terroristes qui sont dans le quartier là-bas. Mes billets, les bandits qui sont là-bas, qui vont fumer la drogue dans les ghettos, les temples, il faut qu'on les gâte, parce que Wanadara quand même fait partie de la Guinée, surtout que je ne vois pas une église là-bas, malgré que la religion chrétienne prône aussi la paix. Mais dans ce quartier là-bas, il n'y a que des confrères musulmans comme moi, qui sont là-bas et moi je sais que là où se trouvent les musulmans, c'est la paix, la tolérance. Pourquoi si on tue l'enfant de quelqu'un, l'imam vient dire laisse à cause de Dieu, on te fait des sermons et tu pardonnes. Pourquoi eux, ils acceptent qu'on nous tue et il n'y a pas de remords. Pourquoi virgule mais on est des musulmans comme eux, donc il faut que Wanadara soit nettoyé, a affirmé le directeur général de la police. Toutefois, il promet de bien veiller sur les personnes âgées et les femmes. On n'empêchera personne de prier, les vieilles personnes, les femmes seront protégées, on est là-bas pour eux, dira-t-il.